Dans les années 1970, la société Kansas City Power & Light a inondé une ancienne zone routière pour créer un lac de refroidissement de 2600 hectares. Les tours de refroidissement géantes sont devenues opérationnelles dans les années 70. Nous aimions y aller avec mon père car nous pêchions dans cette zone, car la température de l'eau était toujours très douce à cause du refroidissement des générateurs. Nous y allions même en plein hiver, lorsque l'eau était recouverte d'une épaisse couche de brouillard. De nombreuses histoires de fantômes entourent le lac à cause de l'autoroute perdue. Ce parc d'attractions est donc dans un vrai lieu, basé sur un lac générateur d'électricité, situé à Lansing, Kansas. Les amis, ça va être très très difficile de faire mieux que la semaine dernière, on est bien d'accord, mais tout de même. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nouvelle vidéo horrifique sur Planet Coaster, on va découvrir un nouveau parc d'attractions qui d'ailleurs a été publié vraiment récemment sur le Steam Workshop, je suis vraiment tombé dessus par hasard, je suis trop content. Le parc s'appelle Parcalypse, petit jeu de mots. Donc un parc apocalypse, t'as compris. Ça a été créé par C. Miles Casey. Donc l'histoire, c'est que c'est un ancien parc d'attractions abandonné dans ce décor, que l'usine se vantait d'être la première à avoir tous les manèges propulsés à la vapeur, mais que les choses ont mal tourné à la centrale électrique. En gros, il y a des êtres mystérieux qui étaient capables d'inverser la polarité des générateurs et d'émettre des impulsions EMP explosifs, etc. Enfin, plein de choses, plein d'incidents qui se sont passés. C'est un peu une urbex qu'on est en train de faire. Alors voilà, nous sortons donc d'un tunnel. Nous sommes sur la route avec Parcalypse qui nous attend au loin. Déjà, l'ambiance clairement est donnée. Désolé, mais ce genre de route-là, déjà, c'est flippant. C'est très américain. On a un petit loup en plus sur le côté, hein, on l'a bien vu. Sur la droite, on a la faucheuse. Tranquille. Bon, donc on va suivre la route, on arrive donc aux abords de Apocalypse. Il y a des êtres sur les côtés, c'est déjà très hanté. Et on commence à voir la centrale électrique avec les deux tours justement là-bas au loin. Donc on sait déjà ce qui nous attend. Ok, je vois du feu là-bas, c'est déjà épique. Épique. Ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout. Ah, la route est barrée, voilà. Donc la route est barrée, on peut pas aller plus loin en fait. Et il y a eu... je crois un accident. Ah bah voilà les policiers sur place. Oh. Ok. Bon, les policiers sont sur place. Donc on va sauter les barrières, bien évidemment. Nous n'avons rien à faire là. On va y aller quand même. On va juste admirer cette scène. Regardez-moi cette scène légendaire. Ok, bon. Allez, on va traverser la clôture. Danger, danger. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de télécharger cette map, pour être honnête, c'était les images. Et c'était ces champs de blé. C'est du blé. Du maïs. Du maïs. Et ces champs de maïs, bah, c'est... Voilà, c'est vraiment typiquement les scénarios horreur. Oh, 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 voilà, c'est Slender. Voilà, c'est littéralement Slender. Hop, on va traverser comme si de rien n'était. Oh, purée de pommes de terre. Regardez-moi cette ambiance complètement dingue. Déjà, franchement, chapeau parce que l'entrée du parc est très immersive. Oh là là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Déjà là, c'est super cool. Alors, on peut aller là, on peut aller là. Attends, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Ok. Ok, en fait, les deux rejoignent au même, je pense. Ah non, on est carrément sur un labyrinthe, là. Hein. Ok, tous les chemins mènent à Rome. L'entrée, c'est par ici. Donc, c'est fermé. Oh, mais non, mais incroyable! Un petit kiddie coaster, un carrousel, rien de pire. Rien de pire qu'un carrousel dans ce décor. Oh là là, avec des particules... horrifique.
Et oui, c'est littéralement fermé, hein. Oh my god. Avec des rails, un train juste ici. Ça, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Bon, ok. On va revenir en arrière. Je me chie dessus. Voilà, j'ai l'impression de jouer à un jeu d'horreur alors que tout va bien. Ce n'est que Planet Coaster. On va passer par là, derrière les barrières. Oh là 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 là. Ok, on se retrouve carrément dans un cimetière. C'est... Par contre, mettre un cimetière dans un parc d'attractions, dans une centrale électrique, tu sais qu'il y a un problème. Les choses ont mal tourné, hein. Bon. Ah oui, en fait, si, on doit passer par ce carrousel pour arriver à l'entrée, ok. Danger, bien sûr. Et on arrive, du coup, Lake, la cygne, Power Plant, Amusement Park. Bien sûr, c'est fermé. On s'en fout. On va y aller. Les choses ont mal tourné ici, quand même, hein. Voilà. Bon bah ici on avait je pense des boutiques souvenirs. Les tickets juste là qu'on pouvait acheter. Bah là il ne reste plus rien littéralement. Ah, on peut voir le lac juste ici. Enfin le lac, ouais, le petit cours d'eau. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Nous ne sommes pas seuls, hein. Nous ne sommes pas seuls ici. Regardez-moi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon du coup je pense c'est Les chaises tournantes là, les chaises volantes. Oh purée, incroyable. L'ambiance est dingue. L'ambiance est dingue. On a un coaster qui nous attend. Et ça c'est chouette. Un wooden. Du feu un peu partout. Des chariots renversés. Là on a une file d'attente. On a une file d'attente ici. Bah c'est pour le wooden je pense. J'allume juste la lumière. Ouais, c'est ça, c'est pour le wooden. Donc déjà, le coaster, il est là. L'entrée et la sortie. On va faire encore un petit tour d'abord. Mais en fait, c'est tout, hein. Il y a que ça, en fait. Il y a que ça. Donc on a ici le... Il faut pas oublier qu'à la base, de la base, bon, le parc, du coup, a été abandonné. Donc il n'y a pas un milliard d'attractions. Mais en plus de ça, à la base, c'est une centrale électrique, globalement. Donc voilà, ils ont juste voulu se vanter. Évidemment, là, c'est... Je rappelle, c'est le scénario. Mais voilà, il voulait... en plus, regarde la tête du wooden, quand même. Franchement, c'est quand même... il est assez grand. Mais voilà, c'est pas non plus un vrai parc d'attractions de zinzin, c'est normal. Donc on va encore un peu profiter de l'ambiance en survolant un petit peu. Moi, j'aime trop les champs de maïs. Enfin, j'aime trop, je me comprends, hein. Pour l'ambiance, hein. Sinon, j'aime pas, hein. Ah ouais, mais là, le wooden, il prend feu, hein. Attention tout de même, hein. Et donc, on a la centrale électrique dans le fond derrière. Bah écoutez, on va faire du coup le tour du wooden. Qui est évidemment dans le noir. C'est terrible. On va voir ce que ça va donner, messieurs, dames. On va voir ce que ça va donner, les amis. C'est le moment. Donc vous voyez, le parc n'a rien à voir avec celui qu'on a vu la semaine dernière, c'est clair. Mais ils ont chacun leur ambiance et leur truc. Le style est différent. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc je suis trop content. Putain, la pleine lune, frère. Magnifique. On a une bonne montée là, bien lente comme on les aime. Bon après ça reste un wooden, hein. Il y aura du haut bas, mais il n'y aura pas d'inversion ou je sais pas quoi. Ah, le lac sur la gauche. Il y a un dragon qui sort du lac ou... Wouhou ! Avec des flashs. Flash in the night. C'est bon ça. Les fesses, ça. Et la douceur de la fin. Eh, c'est vraiment pas mal, hein. Ouhouhou ! C'est pas fini, c'est pas fini. Si, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ouhou ! Ouais, c'est la douceur finale. Vraiment, vraiment sympa. Il y a une musique en plus. Incroyable. Ah, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. En plus, vraiment, l'ambiance est vraiment cool.
Et c'est ça ce que j'aime beaucoup. Et en plus c'est con mais il y a la ville derrière. Et c'est là ça rend vraiment super bien d'avoir la ville derrière. Ça rajoute vraiment le côté effrayant. Alors il faut qu'on parle aussi d'un petit secret. Et je pense qu'on est nombreux à oublier ça. Mais donc vous voyez comment vraiment c'est très sympa. Et comme dit c'est pas full détaillé. Il y a juste un parc, il y a juste un coaster. Et la vraie ambiance se situe au début avec le champ de maïs là, super bien fait. Et ici la scène d'accident de voiture. Enfin là c'est même plus un accident de voiture. C'est le MP qui a explosé là, les trucs paranormaux là. Mais ce qui joue beaucoup, les amis, et c'est un secret qu'on oublie beaucoup, c'est que bon, on a mis la caméra sur 21h. Donc bien sûr si on met 2 jours ça n'a rien à voir. Mais même 2 jours, regardez la gueule du truc. C'est Slender. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Slender, j'en ai fait plusieurs et je vous invite à regarder celle-ci en particulier. C'est Slender, l'image, littéralement. On aurait même pu faire la visite de jour, c'est tout aussi flippant. Hein. C'est tout aussi flippant parce que c'est le grain de l'image et on oublie ça, je pense. Les effets de caméra, c'est l'effet effrayant. Parce que si tu enlèves l'effet effrayant, ah bah tout de suite. Bon, et ça va. Bon, on sait que c'est un peu détruit, ça fait un peu flipper, mais ça va quand même. Là ça fait pas peur. Et encore je crois qu'il y a un autre effet qui a été rajouté à mon avis. Le vignettage. Et c'est tout. Je pensais qu'il y avait un autre effet. Mais vous voyez c'est pas bon si tu ça va quand même. C'est un peu, c'est pas non plus très friendly. Mais forcément tu rajoutes le vignettage et surtout l'effet effrayant. Et c'est l'effet effrayant franchement qui fait vraiment la donne. Et après tu rajoutes la nuit, c'est toujours sympa. Donc ça c'est un effet les gars à ne pas oublier pour ceux qui font des parcs horrifiques. Vraiment, hein, c'est vraiment, vraiment fou. Donc voilà, je suis très content d'avoir découvert ce parc. J'espère que ça vous a mis dans l'ambiance et que vous avez kiffé dimanche en ma compagnie. C'était MKolo, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le like. Ciao tout le monde.